Attends, je me connecte. Ouais, je l'avais pas sur mon téléphone. Allez, bonjour à tous. Voilà, bienvenue pour les finales du comité de la Drôme triplette masculin et féminin. Non? Non, ça ne vous dit pas, non? Fait où la haute caméra là? Là, c'est en face. Ah non, rien. C'est parce qu'il y avait le. Il y avait les autres. Et je passe la parole à mon collègue. Et pour faire. Pour la finale. Ah, c'est bon. Du triplette masculin. Mesdames, messieurs, vous allez assister très prochainement à la finale des seniors masculins. Toujours
c'est l'équipe de Nalissard, de M. Tripos Dali, Louis Métom, et Rachon Eric. Qui sera opposé à l'équipe romanaise de M. Garin Stéphane, Tony Hulman et Sylvain Cognat. Oui, on sait, c'est ton frère. On leur souhaite une très belle partie. Elle est où ? Ainsi que le meilleur gagne, ainsi que ses dames. Alors, le but de la finale masculin sera lancé par Madame Le Maire. Allez, bonjour à tous. Madame Patricia Boisdin, qui va se faire un plaisir de lancer le but de la finale. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Voilà, finale de la Drôme. Salut à mon Jérôme Parot qui nous a rejoint. Allez, ben, équipe de la Romanaise contre Malissard. Au commentaire, Richard Fraisse, moi-même et mon Ludo. Allez, en espérant avoir une belle partie. Bonne finale à tous. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter, liker. Et vive la pétanque, hein. Madame Le Maire, elle a lancé le but, elle a failli te casser une jambe. J'ai vu que c'est pas une provençale. Oui, Yanis est bougie aussi à Romans. Un petit bonjour à Yanis aussi qui nous a rejoint sur le groupe là. Qui bien sûr est licencié à la pétanque romanaise. Excusez-moi. Pas grave. Bravo. Allez, bonne partie à tous. Voilà. Et encore un grand merci à la commune d'Anneyron de nous avoir reçus, au club d'Anneyron pour l'organisation. Allez, ça doit être mieux là, tu dois avoir moins d'écho là, Flo. Oui, on penserait à mettre à jour le score. Salut mon Gaëtan, bon, je vois que t'es en quart de finale aussi, c'est bien. Merci Anthony pour la sympathie pour le groupe. Salut à Benoît Imbert aussi. Allez, une première boule. Moyennas, on va dire, un mètre devant. Ça y est, Bendo est arrivé, il est sorti de la sieste. Ah, superbe à point de Stéphane Garin. Bonjour à Greg Sapé aussi qui nous a rejoint. Je sais que vous allez jouer les cartes finales avec Gaëtan. Ah, superbe reprise là. Je sais plus le prénom, c'est. Ah putain, je connais pas le prénom. Touche pas l'arrière, elle a séché l'arrière. Ça se voit quand elle a séché.
je sais pas son prénom. Eric, voilà. Eric Rachon. Qui vient de faire un devant de boule. Ah, superbe reprise de point de Stéphane. Salut mon Tartouf, merci pour la sympathie. Eh ben, c'est frappé, mais il a monté le bouchon et la boule. Donc le point il reste à la Romanaise, à Stéphane Garin. Grossir un peu. Ouais, c'est bon là. Pourquoi tu dézoomes? Ouais, mais là, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ah, je suis neutre, Thomas, sur cette partie. Hein. J'ai pas le droit de. Si je veux être bien, si je veux être payé, il faut pas que je monte de favoritisme. Eh ben une boule à 50, tu peux sur le côté. Allez Sylvain au point. Wow. Tu te fais chambrer. Ça la M60 celle-là. J'ai bu que de l'eau Bendo aujourd'hui. Ah super, bravo, bel envoi. Superbe à point là de Sylvain. C'est ma femme qui est riche, Bendo, c'est pas moi. Ah, bien tiré encore, on parle des vies. Hein. Elle est sortie la boule, ouais. Je voyais pas le ligne de perte. Ah bravo, superbe reprise de points encore. Allez Tom qui a une boule importante là quand même. Ouais, bien pointé la boule, hein, 50 devant. Bravo Tony. Et ben boule de rajout pour Tony. Qui c'est qui branche? Parce que à chaque fois tu dis elle a 50, alors elle se fout de ta gueule. Elle a 50. Et t'as 48?
Ah, mais non, parce que je parle à côté. Ouais, mais je suis gentil, moi. Je suis généreux, moi. Si tu dis à 1m50, on va pas comprendre. Allez, Stéphane à la pointe. Et ben 2-0 pour la pétanque romanaise. Bien envoyé cette boule. Eh ben on part au tir. C'est manqué par Davy. Il n'a pas bien tiré la boule. Au point. Ah, il est resté court. Ah, on repartirait. C'est une bonne option. Ah, bah, c'est manqué double pour Davy. N'hésitez pas à partager. Hein. Vous êtes 195, regardez. La pétanque romanaise qui vient de score là-bas. Eh ben, c'est encore un point de perdu. C'est la cinquième qui arrive. C'est dommage, c'est que c'est pas au bout. 1-0 pour la pétanque romanaise. L'ouverture du score pour l'équipe de Romans qui mène 1-0 devant. Demain, il demande. 1. Oui, mais t'es gage jour. Hein. Benjamin demandait qu'on les en prenait pour France. Un seul, ouais, ben Bendo. Un seul au France et 3 à la Ligue. Eh ben, il a gagné. Bien pointé. De la part de Tom Bouvier. Et ben mon Tony qui va au charbon. Et ben c'est frappé. Pas évident de commenter Bendo, ils sont tous à côté en train de parler, de commenter. Et je me fais brancher en plus. Bah ben, celle-là, elle est pas jouée. Ça va être 4 boules de rajout. Ça là, elle est partie. Il l'a pas tenu. Bah, point par terre, 3 boules en main. Ah ben, ça compte. Salut Flo Boisse. La bise.
Eh ben ça compte encore. Ah, il est auto-morte. Eh ben 3 points par terre. Oh, 5. Carton plein. Oh, dépassement de bouchon. Ouais, c'est ça. À la sortie, ils en pètent 5. Et ben 7-0 en deux mains. Un joli petit break là. Ouais. Ça joue un petit peu mieux pour l'instant, donc pas illogique non plus. Allez, Stéphane à la pointe. Il est bien envoyé ce bout, il a bien tenu. Allez, Davy, il va falloir. Bien tirer ça là. Ah, Davy, passage à vide. Allez, faut y retourner. Avec 4 trous de rang là, ça peut se compliquer. Ça se complique. Malheureusement, on va commencer à se gratter la tête. Parce que 7-0. Allez, Eric à la pointe. Ah, il a perdu. Dommage. Il est bien pâté ce bout là, mais. Il va pas falloir manquer celle-là parce que. Ça peut être. Eh bien, c'est frappé de la part de Tom. Alors, les féminines, je regarde, il y a 1-0 pour Romain. Voilà, Amel. Armel. Tourelle. Ouh, le Tony. Pas droit, je pense. Pas droit deux fois. Ah bah Tony qui va le manquer double, un événement. Ah bah on décide de tirer encore. Dans la boule d'avance, il est dur à gagner, ils ont raison. Ouh bah c'est une naine. Pas une jolie main de part et d'autre. Hein. Ouais. Ouais, et ben, il va falloir bien pointer mon Steph. Tu la mènes à la tournée là. Planche. Elle n'est pas montée la boule. Elle n'est pas montée la boule.
Eh ben, la mène à la tournée. Incroyable. Je suis d'accord, pas une jolie mène. Ça arrive. Il y a eu deux boules de jouer de côté et une boule de l'autre. Eh ben, Tom qui a la boule de marque. Ah, il l'a arraché, hein. Il l'a arraché. Ils ont le point par terre. Ben Malissard qui... Un point ou deux? Un point Davy? Eh ben un point pour l'équipe de Malissard. Qui n'est mené que de 1 à 7. Et nous allons attaquer la quatrième mène. Il y a que les miennes, elles sont à 1 mètre. Allez, arrêtez vos conneries là. Allez, Eric à la pointe. À toi, demi donné, il a laissé vivre un peu la boule. Bah, elle est dans le bouchon. Bien tiré de la part de Tony. T'inquiète, Bendo. Allez, bah Stéphane à la pointe. Bravo, bien pointé. Ah, on a tourné côté côté Malissard, c'est le temps qui prend tir. Poil bas et ça pardonne pas dans ces terrains. On décide de pointer, mais il va être dur à gagner. Ouf, celle-là, elle n'est pas jouée. Allez, ben Davy à la pointe. Davy qui est passé mieux dans cette partie. Il va faire 4 roues de rang donc. Allez là, elle est pas mal jouée cette boule. Elle peut compter. Oh, la combien ça là, la 50 ou oh, la combien ça là, la 50. Ouais, décide de tirer, moi j'aurais peut-être colmaté. Eh ben c'est bien tiré de la part de Tom. Pleine bouche. T'as l'œil, Bendo.
Oh, il a chiqué la boule. Il a chiqué la boule, mon Tony. Eh ben, 3 boules à 1. Bien tiré celle-là. Oh là là, crocheté, oh là là. Oh là là, on a vu un beau début de partie et puis on s'endort un peu là. Allez, bah Stéphane va essayer de faire un petit devant de boule. Et bah celle-là elle est crochetée, elle s'est enterrée net. Ah, ils ont toutes les boules de marque et ils en profitent jamais. Ah bah il l'a perdu. Eh ben ça va faire un point supplémentaire, peut-être 2. Pour l'équipe de Malissard qui... Il y a 2 mains, on les voyait pas bien. C'est ça. Il se retrouve... Il l'a perdu, je pense. Je vois pas de là. Attendez, je vais pas vous manquer. Vous savez pas à qui vous adressez là. Ah, salut mon Titi Bouve. Et ben 7 à 2 pour la Romanaise. Allez Eric au point. Il peut se perdre ce point. Allez, plein jeu. Ah ouais. Eh ben, il a gagné, Stéphane. C'est le gagner. Ah, il a perdu. Bon, on décide de tirer. Allez, Tom au tir. Un peu basse et pas bien droit non plus. Et moi ce matin. Ah oui. Allez, ben, mon Davy qui va pointer. Ah, tu parles trop, toi, ça fait grisailler. En fait, faut pas toucher l'ordinateur. C'est ce qui fait grisiller, je pense. Non ?
Allez, ben, Tony au tir. Oh là là, les pieds des boules, chic les boules. Elle me s'est frappée de ça là. Titi's en prennent un pour le championnat de France et 3 à la Ligue. Allez, Davy à la pointe. Ah, bien pointé deux fois, Davy. Hein. Ah, ben Sylvain qui est encore manqué. Ah, ils sont un peu moins bien, Romain, là, moi, je trouve. Ils sont un peu moins bien. Là-bas, les féminines, toujours 2-0 pour Romain. Mieux tiré, mais encore au pied. Eh ben, boule à boule, point par terre. Ouais. Ouais, on décide de tirer. Ah, il a poussé, hein, il a tapé, il a fait son boulot. Hein. Alors, les féminines de Romain, c'est Zandrini, Garin. Non, Bacouche. Garin, Bacouche, ouais, excusez. Elle va me faire engueuler. Et Viviane Ray. Bravo, Stéphane. Belle reprise de Stéphane, un point pour Romain. Eh ben 8 à 2. Pour Romain. Et la sixième mène en attaque. Si mon assistant veut zoomer un peu, c'est bon. Allez, Stéphane à la pointe. Elle s'est échappée un peu la boule. Eric qui est arrivé au rond, il a joué direct. Ah, il l'a perdu. Ouais, pointe pas très bien Eric depuis quelques semaines là. Elle a dû gagner celle-là. Elle a gagné. Alors on décide de tirer à côté Ullmann. Tony au tir. Ah, Tony qui est un peu dans le dur.
Belle reprise de Stéphane. Allez, Tom au tir. Allez, tiens bien ça là, on sait pas. Ouais, c'est... On peut pas dire qu'on va la partie du siècle. Les finales, ça se joue, ça se gagne, ouais, comme tu dis. Allez, ben Davy. Carreau de Davy. Allez, la Sylvain qui s'élance. C'est d'en couper. Oh putain, il a perdu. Il l'a perdu de deux, je pense. Qui a encore tourné là. Allez, il faudra essayer de payer celui-là. Oh là là, il a été planté haut. Ouais. Et avant, on va faire fait. Ah ben Lévi qui va tirer à deux. Oh, lui qui a bougé. Il y a peut-être 4 points, ouais. 3. Ouais, et ben 4 points. Eh ben 8 à 6. Ouais, salut Jérémy. Ouais, on sent des joueurs un peu tendus, c'est ce qui est normal, hein. Tu joues une place aux France, donc. Ouais, bien pointé ça là. Alors, chez les filles. Chez les filles, il y a 3-0 pour la Romanaise.
Une belle reprise de Stéphane là. Allez, tombe au tir. Ouais, elles sont toutes basses ces premières boules. Hein. Ça pardonne pas bien. Salut à mon John, mon Jonathan Saron qui nous a rejoint. Allez, Tom qui retourne au tir. Mieux tiré, la frappe est là. Un peu plus de hauteur, un peu plus de courbe. Un point qui peut se perdre, elle est vraiment jolie. Ah ben, il a gagné. Belle reprise de Stéphane. Un tir compliqué là. On hésite d'ailleurs, je pense. On hésite à pointer avec la boule. Ouais, je pense que Davy est pas parti. Je pense qu'ils vont pointer. Ah non, du coup ils ont décidé de tirer. Allez, Davy. Et pareil, il est bas, hein. Ça donne pas. Hein. Et bien, chez les féminines, ouverture du score pour les Livronnaises. 3-1 pour Romain. Et voilà, il est rentré, il l'a fait, il a caché la boule. Bien pointé. Un tir difficile. C'est un tir très difficile. 3 boules, 4 boules. Allez, il tire au point déjà, je pense. Ah non, il pointe. Ouais, 4 boules à une, 4 boules à une. Il ouais, faut tirer là, non. Ouais. Eh ben, il a tout fait. Il a décalé un peu la boule et il a pris le point. Bien pointé. Bien pointé. Il est presque condamné à pointer, Davy. Tu manques, tu peux perdre. C'est encore manqué. Pas mal tiré la boule, hein. Il a un poil bas. Hein, et ça pardonne vraiment pas ce terrain. Est-ce qu'ils vont. Ils vont prendre le risque de tirer, je pense, hein, parce qu'ils peuvent gagner dans la main. Hein. Ouais, c'est encore le jeu. S'il le décale, ouais, il peut après tirer un peu plus facile.
petit temps de réflexion là, parce que c'est une boule qui est importante là. S'il vient bien décaler, s'il vient bien décaler les boules, il peut tirer à 3 après derrière, je pense. Allez, on a choisi l'option d'essayer de décaler boule. Elle est restée courte, tout ce qu'il fallait pas faire. Faut faire deux carreaux si tu veux gagner. Pas compliqué. Allez, ben il faut y aller. Il y va, le Tony, il est capable. C'est bien tiré de la part de Tony. Ça est allé se cacher là où il fallait pas la boule. Ah, parce que la boule, elle a peut-être pas assez monté sur la première devant. Donc il y en a deux sur, je pense. Trois sur. Eh ben 3, ça fait 3 points supplémentaires pour la Romanaise qui mène 11 à 6. Pour la Romanaise. Nous jouons la 8ème mène. Un bouchon qui va pas être bon. Salut mon Christophe, vous avez fait quoi la Provençale? Nuance. Allez, un bouchon à 7,50 m, 8 m. Allez Stéphane à la pointe. Allez, bien envoyé cette boule. Belle reprise d'Eric. Livronnaise qui vient de faire 3 points et qui mène 4 à 3 contre la Romanaise. Oh bah Montoni qui vient de marquer double. Manquer double Tony. Allez, il va falloir qu'il colmate. Stéphane essaie de sauver les meubles. Il est resté court aussi. Il est resté court. Parce qu'on va décider, mais je pense que ils hésitent à tirer, je pense. Ah,
Alors, salut Sandrine. Chez les féminines, 4 à 3 pour Livron contre le Romanèse. Oh là là. Il a sorti le bouchon. Eh ben, il a sorti le bouchon, mon. Mon Sylvain Cognat. Et non, Bendo, bouchon dehors. Eh ben on est toujours 11 à 6 et on attaque la 9e main. Honnêtement, je sais pas Bendo si j'ai tiré au bouchon. Si, apparemment, il cherchait un peu les deux, non? Pour le bouchon, je pense. Ouais. Voilà. Ah, il est court. Stéphane, il serait pas permis de me dire blessé. Non, Kim, non, il s'est attaché au bouchon en fait. Il disait boule bouchon en fait, voilà. Donc après, bien sûr que je pense qu'il a un peu. L'a gagné. Un petit peu, Bendo, un petit peu, ouais. Un petit peu de réussite, mais bon, ça fait partie des boules. Belle reprise de points de Stéphane, hein, qui envoie le petit homme à tirer. Elle est sautée celle-là, ouais, celle d'avant elle les a un peu manqué basse et ça lui a fait lever le bras. Ouais. Et bien il y retourne. Ah, bravo, carreau. Très bien tiré ça. Tire bien souple. Allez, ben Tony qui contre-attaque. Ah, il l'a fait passer, hein. Je l'envoyais manquer, lui. Putain, je l'envoyais manquer presque. Trois boules à 3, point par terre pour Maïssar. Il essaie de jouer avec la boule à Steph, je pense. Ça va, il a gagné. Il jouait un petit peu la boule à Steph, essayer de rentrer à 2, mais il a quand même gagné le point. Pas droit. Ah, ça se complique la main. T'es presque droit à aller au bouchon là, je pense, Davy. Non, 3 boules. Il a joué. Ah oui, Sylvain a joué une fois, ouais. Eh oui. Ouais. Ouais, bon. Ouais. Faut bien pointer deux fois alors.
Oui, exactement, ouais. Tu fais le carreau, tu rentres, tu fais le tien plus joli, parce qu'en tirant la boule, t'as rien fait si tu fais pas carreau. Ah, ils ont décidé de tirer. Maintenant, à quoi ils sont attachés? Quoi que tu décides, il faut le faire. Eh bien, tirer ça là, allez frapper. Eh bien, debout la une, point par terre à Malissard. Eh, faut, si le VAR rentre à deux, il aura peut-être fait du boulot. Il a gagné le point déjà, c'est bien. Là, il met une boule de responsabilité à Eric parce que. On a décidé de pointer et ben je pense que allez ben pointé gagné pour tir et pointe pointé gagné c'est fait et ben victoire des Romanais. Ils iront aux France et belle partie aussi de Malissard qui ira à la Ligue. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci à Ludo, merci à Néron. Victoire des Romanais et les Roms. Alors les féminines, il y a 4-3 pour Livron. Bravo à la pétanque de Malissard pour le parcours. Bravo à la Romanesse pour la victoire pour le France. Allez, maintenant on va basculer sur les féminines. Salut ma Aurélie. Salut Christo. Ouais, on met la féminine un peu là. Eh bien, ça va faire un ou deux points supplémentaires pour Livron. Eh bien, trois points supplémentaires pour les Livronaises qui mènent 7-3. Allez, superbe à point là, de Livron. C'est possible de filmer comme ça. Ouais. Hein ? Ah oui. Ça va mon frère ? Comment on peut faire ? Gargovic.
puis après, j'ai marre de changer au mois de mai. Tu as bien compris. L'année prochaine, je reviens ici. Moi. Allez, moi je reprends un peu le micro là. Zandré de tir. Oh, bah, le carreau. Ben, bravo, bien tiré. Là-bas. 7 à 3 ouais pour Livron. Je sais pas si on m'entend toujours mais. Ah j'en prends un peu le dessus les Livronaises là. Là, Zandrini, elle a fait une belle frappe, elle a fait carreau. Ça peut être une belle main pour la Romanaise. Allez. Donc ouais, les joueuses de Livron qui ont fait une belle accélération dans cette partie. Et si je me trompe pas, c'est les championnes en titre. Livron. Voilà, en tout cas, on va encore féliciter tous les bénévoles. Et puis là, ce qui est agréable, c'est qu'il y a encore une centaine de personnes qui regardent la partie des filles. Donc c'est le top parce que bah, généralement, quand les hommes c'est fini, les gens s'en vont. Et là, je vois que le public est très respectueux. Bah, avec tout le tour. Oh, tu dois être à une cinquantaine. 50, on est sur du 50 avec Virginie. Ah, pas bien piqué, Amandine. Manque un peu de hauteur, je pense. Comme elle dirait Virginie, manque de l'ampleur à sa boule. Donc voilà, vous voyez monsieur l'arbitre qui passe, il voulait être filmé, ben voilà, c'est fait. Non, il pourra jamais, il est devenu un chaton. Maou, maou. Il est devenu un vrai chaton. Avant c'était le tigre. Maintenant c'est le chaton. Maou, maou. Avant c'est un Doberman, maintenant c'est un Yorkshire. C'est bon, nous. Ah, excusez-moi, je reprends la main, j'avais laissé le micro à Ludo. Comme il regarde pas. Ici, j'ai dit à Amandine Tanchon, il manquait un peu de rempleur sa boule. D'accord. Et on a filmé monsieur l'arbitre, le petit chatounet. Il a pas mis un carton aujourd'hui, monsieur l'arbitre. Putain, je dois me rester 2-3 croquettes. Et encore, les croquettes, c'est trop dur pour lui qu'on mette de la pâté. Bon, dis-moi tout, Ludo, là, c'est, on en est où de la mène là? Donc la Romanaise a un point par terre je sais pas. Ou deux. Ouais, je pense qu'elles ont un point par terre. La Romanaise a un point. Ça manque un. Oh, celle-là, elle n'arrivera pas. Elle fera pas le chemin, celle-là. Thank you.
je vais tirer à deux en fait. Et... Oh, carreau de Linda. Il doit y en avoir trois par terre. Ça fait 2 ou 3 points pour la romanesque. Et ben 2 points pour la romanesque. 5 pour Roman, 7 pour Livron. Si tu l'aimes pas, oui. Ben, bah, tu les nettoies, c'est bon, on les mange. On est à tout. Elle commence à ranger. J'ai une maison, moi. Et ben une première boule à 1,50 m. J'irai bien le bouler. J'irai bien le mesurer celui-là. Un chocolat chaud pour moi, il fait moins 15. Là. Elles ont mal joué, qu'est-ce que je te dise? Vous avez qu'à mieux jouer. Eh ben, elle a gagné. T'as mot, tu... On a 15 km là.
Elle a peut-être repris cette boule, mais. L'Isère, je crois que c'est. Qui c'est qui a gagné l'Isère? Oh, je sais plus. Hein? Non, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Ah, belle reprise de points là de Linda. Ça va peut-être pas suffire. Il a pas pris 200 euros lui. Pas rien faire. Oui, je t'en amènerai une. Carreau en place, carreau place. Ah oui. Direct, hein, tu faut changer le score, mon Richard. Je te dirai pour l'instant. Oui, quand tu as ma jour. Oui. Je vais aller dans un salon, tu as des films. Quand? C'est qu'un. Non, je. Non, il n'y a pas le. Le Tata John et le champion de On est combien là? On est où gagné combien là? Ça sera le 19. Non, ça sera le 28. Non, dans 15 jours. Là, on est le 6-7. Dans 15 jours, ça fera le 7-14-21. Ah, le 20, parce que le 28, j'ai le triplet provençal, moi. Je te dirai, mais je suis pas. Ouais, je suis pas. Mais je suis pas. Je crois que je. Il faut que je regarde les dates que j'ai, moi. Moi, c'est que je joue le 28, le 28, le 4, c'est les deux derniers que je joue. Je trouve que le double admis, c'est un beau championnat. Ouais, ouais. Je trouve que c'est un des plus beaux. Parce que, justement, la féminine, elle est super importante et je trouve ça. Et je trouve que. Oui, c'est sûr. C'est un championnat qui devrait être bien normalement. Non, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Donc, voilà, je te le dis, je vais y aller si tu es. Ouais, ouais. Ça va. Et si ça t'intéresse. Je te dis. Je te dis ça rapidement. Je regarde. C'est rien. Ah d'ailleurs ça faut que tu le donnes à Davy ou à l'autre là. Je sais pas quoi.
je le rentre ce bordel. Faut que je rentre ça à Davy ou à Tom Bouvier. Il est où Tom Bouvier? Il est là-bas. Eh ben, ça doit faire un point supplémentaire pour Livron. Si Virginie, elle a envie de commenter la partie, la fin de partie, je crois. C'est les demi. Gaëtan, ils ont perdu contre Wisman. Okay. Allez, on va vérifier le score, mais je crois que Livron mais ont rajouté un point supplémentaire. Si Virginie ne me raconte pas les conneries. Mais je vais aller à la pêche dans la semaine. Si j'en prends, je t'appelle. Tu connais pas ma femme, gros. J'ai dit, on va manger chez Virginie, on va dire ce que je vais prendre chez moi. C'est pas les domaines, mon accueil. Moi, la mienne, c'est super. S'ils veulent, je peux venir filmer championnat de Bourgogne. Parce que je veux voir un chat tourné pour devenir un tigre. Ouais, mais je l'ai fait dans l'Isère. Ouais. Eh, ouais. Bientôt, elle va se mettre à l'étang là-bas pour regarder la partie. Sur le téléphone. Putain, l'amour est long, j'y vais. Ouais, là, c'est fort possible. Non, mais après, c'est bien. C'est bien aussi, il a fait de la pédagogie. Tu vois, il est allé voir Angélique, il y a dit une fois, voilà. Très bien, deux fois. C'est des finales, non, mais c'est... C'est des fois, ça peut te faire tourner une partie. Hein. Sur une finale, c'est très bien. Il évolue, notre petit arbitre. Un jour, il sera sur la chaîne L'Équipe. Allez, on est un petit peu loin, je suis désolé. Café l'équipe Ferreira. L'équipe Ferreira ont perdu en 8e de finale ce matin. Contre l'équipe de Thomas. Salut, meilleur vœu. Rigolez pas, il y a Virginie, elle mesure 52 celle-là. Eh bien, les Romanaises, il faut qu'elles se remettent parce qu'elles sont en train de laisser partir leur partie. Ouais, leur partie, la partie. Et en face, on connaît l'équipe Tanchon, on les a vus en demi contre l'équipe de Virginie. Faut pas leur laisser trop d'espace, hein, parce que ça pointe vraiment très très bien. Donc voilà, il faut pas trop leur laisser des boules d'avance à l'équipe de Valence de Livron, parce qu'elles savent saisir leur opportunité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elles vont régulièrement au championnat de France à ces filles. Un jour reviendra, Virginie sera à moins de 50. Bah oui, t'as bien joué. Tu regarderas, on disait que t'étais costaud au milieu, que t'étais une très bonne milieu. Bah celle-là est bien tirée, celle-là. C'est au pied du lac, c'est des jolis terrains. Ils ont un petit étang. Là, ouais, ils le font autour de l'étang. À Andrézieux. Non. Bah, après eux, ça leur fait 1h30 de route. Début des parties 9h, ça les fait partir à 6h. Si tu veux jouer une ligue correctement, faut y aller la veille. Y'a pas le choix.
Tu veux savoir quoi, Christelle? Oui. C'est les lycées masculines aussi, le 19. Le 19. Moi, ça doit être les ligues doublettes, un truc comme ça. Bah oui, parce que c'est, ils font tout le même week-end. Il y en a le lundi aussi. Puisque le lundi, c'est le lundi de la Pentecôte. De rien. Mais je crois que c'est ça, hein. Il faut regarder, mais c'est il y a tout le week-end. Vendredi, ça. C'était tout le temps, mais... voilà. Bah alors ça peut pas être le même week-end, parce que si tu te qualifies dans une ligue et tu dois faire un semblant dans la nuit, ouais, il y a 3 jours, faut demander à monsieur l'arbitre, il doit savoir. Bien, tu pars une semaine en radio. T'es pas gros motion, toi. On allait se baigner. On allait se baigner à la piscine le dimanche. Comment on peut être promotion en gagnant tous les concours? Qui? Ouais, lui. Même Kevin Perrault, il est à honneur. Ouais, c'est mon écran qui risque de s'envoler, ouais. Attends deux secondes. C'est bon. De toute façon, franchement, quand j'étais honneur, il y avait une année vierge avec le Covid. Donc, du coup, c'était comme si j'étais élite parce que c'était 4 ans. Oui. Attention.
Eh ben, ça sera un point supplémentaire pour Roman qui... Allez, un point supplémentaire pour Roman dans cette même qui revient dans la partie. Et qui n'est plus mené que 6 à 8. 6 à 8. 8-6 pour Livron. Un point, 6 à 8. Ouais, le dimanche, et... ouais. Dimanche et les gamins. Bah ouais. Si on peut être proche, facile aussi pour les gamins. Et plus deux à filmer. Je te le dirai. Je suis pas sûr d'être là, mais je te le dirai. Je suis avec ma femme déjà. Et... Comme je joue le 28 et le 4, et après je me fais opérer le week-end d'après. Après, j'aurai plus de temps une fois opéré, toi. Une fois opéré, j'aurai du temps. Mais... Je vais voir avec Stéphane Gugnier. Ah oui, il s'est fait opérer de quoi, lui, de la main, j'ai vu. Putain, il avait quoi au poignet? Quel est le carpet? Ouais, je crois que c'est ça. Il est dégoûté. Ouais. Eh ben, joli petit point de... Attends, moi, je vais mettre ça là. Vivian Ray et... Et la... Livron a perdu. Perdu le point. T'avais qu'à gagner Virginie, tu serais là. Bah, elle est embouchonnée. Ouais, si je peux aller faire les deux, ça m'arrange. C'est un championnat que j'adore. Donne-moi sur Facebook. Mais ça t'intéresse pas d'être connu. Allez, Zangrini au tir. Elle est manquée celle-là. Eh ben manqué double pour Zandrini. Ben, elle est bien pointée cette boule. Hein. Et ben. Eh bien, deux boules à Linda. Contre quatre boules en face. Point par terre à Livron. Allez, restez courte. Tu regardes et tu me dis.
Allez, bien joué celle-là. Point par terre pour Livron, 4 boules en main. Ouh, voilà tout passé là. Ça prend le bouchon. Voilà, ceux qui ne nous ont pas suivis, voilà l'équipe de Ullmann, Garin, Sylvain Cogna, championne de la Drôme et Héros France. Pour la Drôme. Et après, Pérol de Nyons, Quentin Juge et David Tripoz. Les trois équipes iront à la Ligue. Ben ça va peut-être pas faire trop cher cette main. Il y a un point par terre, deux boules en main. Une partie qui dure. Pas de churros? Non. Putain. T'entends pas de churros, putain. J'adore. Allez, bien joué, ça va. Courte. J'ai peur que ça fasse qu'un point en cette semaine. Eh ben c'est ça, un point. Eh ben ce qui nous fait 9 à 6 pour Livron. Ludo, il y a que moi qui ai le micro. Je sais pas pour l'instant. 9 à 6. Info de dernière minute, mon club de Pont-la-Roche Pétanque a perdu à Nyons en Coupe de France Provençale aujourd'hui. Ah, superbe à point. Ludo, pour zoomer, tu fais comment ?
48. Eh ben, elle a perdu. Allez, dans le, pour la finale, pour le championnat masculin, on va appeler les deux équipes finalistes et les vainqueurs. Et on va demander à Angélique Paradis et à Alexandre Comalo de venir. Putain, mais tu peux pas attendre que ce soit tout fini là ? Non, mais ça, il faut respecter les féminines aussi. Allez, messieurs, allez, madame. Bah, attends, t'attends que tout le monde s'est fini. Que les féminines sont finies quand même, non ? On ne peut pas attendre que les féminines sont finies ? Ouais, je sais pas, faut respecter un peu. Moi, je comprends pas, moi. Pas sérieux, ça. Bah oui. Je sais pas, moi. C'est bien pointé pour Zandrini qui a pris le point. Ça a laissé le tir à Linda, je pense. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Roman, s'il vous plaît, on vous attend pour la remise des prix. Monsieur Gavin, monsieur. Voilà. C'est vraiment des guignols, ce comité. Eh ben, bien pointé, elle a peut-être fait deux. Je pense, ouais. D'avoir deux points. Ben, je pense qu'elle a repris le point.
Eh ben, 3 boules en main, point par terre, ça va se compliquer pour Romain. Ça va être une main de gagne là pour Livron, si elle pointe bien. Il doit y en avoir deux. Il y en a deux. 11 par terre, 2 boules en main. Il y est peut-être. Il y a peut-être 12 par terre. Il y a peut-être 12 par terre là. Attention. Ah, c'est une boule de gagne dans la main, je pense. Ah, il y a encore deux boules. S'il y en a trois par. Ah oui, donc. Ouais. Ouais. C'est peut-être la fin. Oh, c'est pas la bonne. Elle en a peut-être cassé un. Ouais. Elle va se retrouver. Carreau gagné, je pense. Mais bon. Il y en a peut-être encore trois par terre. Hein. De toute façon, si une pointe, c'est qu'il y en a encore trois, je pense. Si on tire, c'est qu'il y en avait deux. C'est risqué de tirer là. Ouais. C'est risqué quand même. Si tu prends le deux derrière, tu l'emmènes. Courte. Ça va faire 12. 2 sur, je pense. Je pense qu'il y en a 2, moi. Ouais, ça va faire 2, je pense. Bah, je pense que ça va être 2 points supplémentaires pour Livron. Mmh. 11 à 6. Ludo ? Les deux points ajoutés par les Livronnais mènent actuellement 11 à 6. Rajoute les points là. 11 à 6 pour Livron. Ouais. Tu m'avais vendu du rêve. Ah bon, j'avais pas vu la couleur moi. C'est un temps de faire des crêpes. Hein. Avec un chocolat chaud là. Mmh.
une belle boule d'appoint. Un petit 38 cm. À peu près. Allez, Viviane au point. Bien pointé de la part de Viviane. Belle reprise de points. Oh, elle s'est donné le point, je pense. Non. Allez, on décide de pointer. Voilà, fait une belle reprise. Attention, là, je pense qu'il y a même peut-être 13 par terre, là. Un sur, peut-être deux, il n'y en a qu'un. Bien tiré la part de Linda. Du coup, t'avais raison, Richard, tu as prémédité le deuxième point. C'est ça, voilà. Il va falloir en faire deux. Oh là là, elle fait carreau sur la boue. Ouais, mais elle a fait carreau en fait. Elle a fusé, mais elle a fait carreau sur la boule. Après, je sais pas laquelle c'était, mais si c'était la sienne ou... Sur la chambre bas. C'est la faute à notre gouvernement si les gens sont devenus fainéants. Allez, c'est de gagner celle-là. Ouf, elle est perdue encore. Ben une main qui a l'avantage de la romanaise. Oh bravo. Ouais, mais elle a fait un devant de boule là, ça va peut-être les sauver là dans la main parce que elle va quand même tirer, elle a gagné le point je pense.
Ah, elle a même gagné le point, je pense. Ah ouais. Elle est obligée d'y aller, là. Allez, si elle tire bien ça, là, ça peut faire la belle mène. Oh, la sortie classienne, t'y crois, toi? Oh là là. Ouais, il faut qu'elle a pas le choix. Hein. Allez, Zandrini au tir. Ouais, nickel, bah oui, je joue pas. Salut mon Davy. Salut. Bravo, bravo pour le parcours. Finissez bien tout le monde. Ouais, bonne ligue. Bon café. Ciao. Ah, oui. Allez, Zandrini au tir. Ah, elle est basse. Ouais. Non, elle est plus dedans. Elle a plus de jus. Elle a plus de. Elle a plus de gaz. Ah, ce serait dommage de pas marquer dans la main quand même. Même tu peux en faire 3 ou 4, tu te retrouves à pas marquer. Ça va se compliquer à 12. Ah bah t'as la main pour revenir à 11 à 10. Et... Ah ils ont le point je pense par terre. Oui, c'est Romain. Oui. Ah bon? Et elle tire pas? Non. Eh ben, ça va faire un point de plus pour Livron. Une main où elle doit presque en prendre 3 ou 4, se retrouve à marquer. Eh ben, 12 à 6, ça se complique pour Romain. Allez. Eh ben 12 à 6. Si l'assistant pouvait régler la caméra. Merci mon Ludo. Allez, on a posé le bouchon à 7 mètres. 7,50. Je l'ai dit. Hein. 7,60 même. Ça dépend des parts après. Allez, ben, si elle engage bien cette boule. Elle est bien montée en tout cas. Ah bravo. Je l'ai vu en l'air celle-là. Alors. Eh ben on va faire pointer Viviane. Eh non, on a décidé de tirer, Linda a pris ses responsabilités, elle y va. Eh ben, carreau de la part de Linda. Stéphane, il est à 300 mètres là-bas. Prends besoin de micro pour commenter lui. Super carreau. Après, je me dis, c'est quelqu'un qui prend la fille. C'est sur le côté, des fois. Parce que là, t'as tout. Hein. Zoom un peu si tu veux. On zoom un peu. C'est moi qui le fais. Ah merde. J'avais la télécommande et tout là. C'est à moi la bouteille d'eau là.
Allez. Ah ben c'est bien pointé deux fois. Hein. Elle a encore gagné. Hein. Ouais. Pas le choix. La fait passer, ça suffit. Allez, boule importante, ça le regagne, ça fait. C'est ça. C'est fait. Ouais, ouais, bien gagné. Zandrini, qui était un peu dans le dur, il va falloir y aller. Ouais, on la sent bien fatiguée, Zandrini. Allez, ça peut la relancer, c'est le tiramisu là. Elle l'a arraché. Ça va. Elle est un peu courte encore, mais c'est parti. Elle l'a arraché. Elle fait l'essentiel quand même. Je la vois courte encore, on voit. Oh, elle est basse. Hein. Tire un peu tendu, elle a fusé un peu. Et... gagné 4 fois ce point avec un petit peu de réussite là, mais Viviane à la pointe, mais il va falloir le gagner celui-là, hein. Je sais pas, je l'ai déjà. Il est là le problème. Non. Il se perd même 3 fois ce point. Il peut. Elle a gagné. Hein. Elle l'a gagné. Ah, mais c'est dangereux de tirer. Ça dépend, c'est avec qui derrière. C'est tout à un roman. Non, la boule derrière à droite, c'est à. C'est la deuxième que Linda a tiré. Elle a poussé. Ah, pardon. Ça rien, ça. Bon, on y va. Feu. C'est frappé. Hein. Avantage de boule à roman, mais. Ouais, c'est une belle main là. Voilà, en bouchonné encore. Hein. Par contre, si elle tape ça là, ça va être compliqué de le gagner maintenant. Le bouchon a bougé un peu. Pas de boule, je crois qu'on va jouer comme ça, bien mis dans les bagages à la
Allez. C'est quasiment le titre si elle tape la boule. Parce qu'il va être très dur à gagner. Et ben elle a frappé. Frappé double. Belle main, hein, franchement. Ouais. 6 boules et 5 boules. 5 boules jouées comme il faut. 11 sur 11 pour le moment. Ah, c'est la. Vraiment, on a vu une très belle main là. Elle va peut-être tirer, j'ai vu. Bah, tiens, la marque, c'est sûr, mais. Au point, elle est quand même vraiment dure. Hein. Elle a manqué perdu, quoi qu'il en soit, donc. Je sais pas si elle pointe ou tire là. Ah, elle va tirer, je pense. Et ben elle a frappé, hein, et elle marque. Hein. Ben vraiment une belle main là. Du score. 7 à 12, tu me. Mon assistant, s'il vous plaît. 7 à 12, merci Ludo. Bon, on a vu une très belle main en tout cas, il y a eu 12 boules de jouer. Je suis déçu moi. On m'a dit, lève-toi à 5h du matin, tu auras des crêpes, des churros. J'ai rien eu de tout ça. C'était avant ça. Et ben, c'est encore bien pointé de la part de Viviane. Chez vous, il va faire nuit. Il y a de l'argent en Néron. Il y a des sous en Néron. C'est pointé. Après, c'est une partie pour le France, c'est jamais simple. Non. Il y avait un peu moins de suspense, on va dire. Si. Il y a que le champion. Il y avait moins de suspense. Ah oui, la partie a fait que. Non, même si elle a roulé la partie, elle nous a pas donné de suspense. C'est pas mal. Alors bouchon, elle l'a gagné. Je pense qu'elle l'a gagné. Si tu veux faire quelque chose de bien, tu fais carreau là, t'as du mal de faire. Tu tapes la boule, là elle a fait ce qu'il fallait pas, elle a saccagé la sienne, là ça sent le sapin. Allez, ben faut bien tirer celle-là. Ah, elle a craqué. Oui. Il va peut-être prendre la suite.
on doit faire des churros, il va pas y en avoir beaucoup pour les cuire. Hein. Les premiers ils seront bons. Ouais, la boîte au bout de 6 mois. Ouais, mais à 100 euros la crêpe, à 100 euros la crêpe, t'en vends 12, ça suffit. Un de mes meilleurs clients, peut-être qu'il nous écoute aujourd'hui, c'est Wurtz. Ah. Les bonbons, ils mangeaient que ça, les glaces, ils mangeaient que ça, les glaces, ils mangeaient que ça. Le Mika, les aimait. Allez, bah Zandrini, faut y aller. Boule bouchon. Balle à taper, hein. Ça fait jouer. Ça fait jouer. Il est à fond là-haut. Il en manque pas un morceau là-haut. 4 boules à 2. Il a allumé le téléphone, il regarde la partie là-haut. Ouais, il est sur le groupe éteint. 4 boules à 2. Ah, si elle le gagne tout de suite. Ouais, t'es. Tu peux vite le perdre, hein. Tu peux vite en perdre trop là-dessus. Il y a perdu. Ça arrive, hein. La première ce matin, elle était 0-9 points par terre. 3 boules en main en face, tir à la gagne. Carreau gagné, là. Manqué. Tapé à 2, manqué. Tapé, manqué. 1-9, à 7 de gagner à 2. La demi et la finale, il a pas très bien joué. Mais bon, elle a l'air. Par rapport à ce qu'il est capable de faire. On rendra des chouras, on fera un fin de chouron. Ah, les boules, elles commencent à être lourdes, hein. 3 boules à 2. Oh, bien gagné. Eh bien, 2 boules à 2. Point par terre pour le livron. Gagné par terre. Plus droit à l'erreur pour Zandrini et Romain. Importantes. Enfin, elles sont toutes importantes, mais. Eh ben là, elle a fait passer. Hein. Elle a tiré bouchon boule. Ouais, bah après. Elle en a manqué tellement. Tirée basse, elle a déjà toutes manqué et maintenant elle commence à les choper. Donc. C'est fan de lui, mais de l'ambiance. Lui. Eh ben, 2 boules à 1. Je sais pas si Viviane, elle a tiré une boule de la partie. Il faut déjà le gagner celui-là. Il faut déjà le gagner. 5, 55. Voire 65 même. Ah ben, elles ont le point. Elles ont le point devant. Allez, ben Viviane, dernière boule. Faut essayer de gagner. Et petit coup bouchon, ce serait le bonus. Et ben elle a gagné par derrière. Ça va être tapé gagné. Non, une boule. Ah, c'est la tireuse, donc je pense que. Je
pense qu'elle va tirer. Boule importante, boule de France. Oh là 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 là, elle doit l'avoir manqué, elle doit pas l'avoir manqué. Eh ben 12 à 8. Normalement ça doit être à jour, j'ai dû inscrire le point. 12-8. Pour Livron. Petit à petit, on se rapproche de l'heure du whisky. Ou du lit. Du Richard, du Eric. Eh ben, elles font durer le suspense, les féminines. Les hommes, ça a été express, mais... Ouais, c'est un petit peu échappé, ça, là. Allez, un point de plus pour l'équipe de Roman. Il n'est plus mené que 12 à 8. Elle est nulle part, celle-là. Ah, elle commence un petit peu à se mettre un peu le doute, là, les Livronnaises. Il va falloir gagner tout de suite. Là, elle est embouchonnée, c'est pas compliqué. Linda, attention, il y a le bouchon qui est dans le cou. Elle a fait tout ce qu'il fallait pas. Elle a tapé la sienne derrière. Je sais pas s'il fallait au bouchon, mais ouais, si elle le gagne tout de suite, ouais, elle doit avoir mieux en l'air qu'un. Il faut le gagner maintenant. Elle a gagné. 4 boules à 2. Ouais, mais on sait que dans ces jeux, c'est compliqué. Perdu. Ben, on revient boule à boule. Il va falloir gagner de celle-là.
C'est ça. Eh ben, elle est encore courte. Ah, elles ont perdu un peu de. Deux boules à deux. Point par terre pour Roman. Et bien on a perdu trois fois ce point. Ils ont refusé l'attaque. Tirer bien de la première. T'en avais 3 pour une. Eh ben, il faut essayer de le gagner. Pas le choix. Elle a gagné. Et ben deux boules pour la marque à Zanrini. Eh ben, ça sera manqué perdu ou tapé pour un point. Eh ben, c'est manqué. Victoire de Livron. 13 à 8. Allez, merci à tous. Bien, voilà, cette finale féminine se termine sur la victoire des joyeuses pétanqueuses livronnaises. Face à la pétanque romanaise. Donc, félicitations à Amandine et Émilie Tanchon et à Mélinda Minaudier. Les autres n'ont pas démérité. C'était une belle finale. Arrêter le live, c'était toujours en direct.